d'emportée de 29 pouces pour une taille de 6 pieds 1 pouce. Pascal est de Laval. Sa portée est de 26 pouces, donc elle est moindre que celle de Carl Froch. Il a 26 ans. Il est également plus jeune pour une taille de 5 pieds 11 pouces. Mais comme Bernard le disait tout à l'heure, il sera plus pesant ce soir dans le ring. Vous voyez l'affiche des deux. Il n'y a pas de chiffre au-delà de zéro dans la portion des défaites. Alors, c'est 23 victoires pour Carl Froch, 19 par KO, 21 victoires pour Jean-Pascal, 14 par KO. Jean-Pascal qui fait son entrée accompagné de Nicholson Poulard, son demi-frère également, de Marc Ramsey qui est son entraîneur. Des mois d'efforts et l'aboutissement aujourd'hui, ce combat de championnat du monde devant une foule qui semble très hostile. On a entendu des huées là-bas. Alors Robert, qui est capable de vivre ça lui en personne, Robert, à quoi ça ressemble actuellement? Eh bien, c'est une foule absolument indescriptible. Je peux vous dire que ça chante d'à peu près depuis 2 heures ici. Vous devez les entendre, ils chantent comme dans les stades de soccer ici. Ils se répondent, ils ont appris en fait les hymnes par cœur. Et depuis à peu près 2 heures, c'est des répétitions sans cesse. Et c'est une foule estimée à peu près à 7000 personnes. C'est quasiment plein ici au Trent FM Arena. Et là, toute l'équipe de Jean-Pascal, évidemment, très nombreuse, a fait le déplacement et on montre les ceintures du champion Jean-Pascal. Et ici, évidemment, on annonce l'entrée de Carl Froch et les gens sont debout. C'est une ambiance fabuleuse, des connaisseurs. En tout cas, on a eu quelques combats avant et on a pu voir que c'est un public de connaisseurs, les Anglais, évidemment. C'est assez incroyable. Vous savez en plus que Froch, eh bien, s'est entraîné en Irlande. Alors, je peux vous dire qu'il est fin prêt, lui aussi. Alors, vivons cette entrée de Carl Froch. Carl Froch est maintenant sur le ring. Il est entré au son de Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. On peut entendre énormément de bruit. Il y a énormément d'ambiance là-bas. Je pose une question à Bernard Barré. Le regard de Jean-Pascal jusqu'à maintenant, ça ressemble à quoi? C'est un gars nerveux qu'on voit? Ah, Jean-Pascal est très confiant. D'ailleurs, il avait remporté les Jeux du Commonwealth à Manchester, pas très loin de Nottingham, en 2002, en battant un Anglais, Paul Smith. Et pour lui, il y avait 15 000 personnes à ce moment-là. Donc, il a déjà vécu un peu ce genre d'ambiance. Mais chez les professionnels, il n'a pas disputé beaucoup de combats à l'extérieur. C'est son deuxième? C'est seulement son deuxième. Il avait boxé en Floride, on se rappelle, au mois de janvier dernier. Ladies and gentlemen, it is now time for our featured bout. And it is brought to you by Hennessy Sports in association with the Brafey House Hotel, County Mayo, Ireland.
GoldenPalace.com, The Sun Newspapers, and Hooters of Nottingham. This bout is scheduled for 12 rounds, and it will be for the vacant WBC Super Middleweight Championship of the World. It is sanctioned by the World Boxing Council. President is Jose Suleiman. Supervising tonight is Hussein Wishi, along with the British Boxing Board of Control. Steward in charge, Dave Roden. The chairman is Charles Giles. The three judges assigned, scoring on a 10-point must system. Alors, pendant qu'on procède à la présentation des deux boxeurs, en fait, on parle des gens qui s'occuperont de la gestion de ce combat. Je vous souligne immédiatement que l'officiel est Guido Cavalleri. C'est un Italien, alors l'arbitre de ce combat. Alors, justement, c'est lui qu'on voit. Les juges sont... Il y en a un du Monténégro, l'autre du Mexique et un autre juge qui vient des États-Unis. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle, ça, Bernard. Oui, on veut s'assurer absolument de la neutralité de la décision. Hein. On a vécu des décisions crève-cœur dans les dernières années. On veut s'assurer que ça se reproduise pas. D'ailleurs, Yvon Michel a travaillé très fort à ce niveau-là pour influencer, pour s'assurer de la neutralité de tous ces gens. He brings with him a perfect record of 21 wins, no losses, with 14 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome the current NABF, NABA, NABO, and WBO super middleweight champion, Jean Pascal. Alors, il y a une grande délégation québécoise, Bernard, qui est là-bas. Bon, Yvon Michel, Antonin Descarry, qui est son grand ami, avec qui il connaît depuis tellement longtemps. Ça va sûrement l'aider d'avoir été si bien entouré au cours de la semaine là-bas. Absolument. Alexandre Troff est là aussi, Dino Marchitello et toute son équipe de préparation. On a pu voir sur le ring tout à l'heure Michele Moffa, qui va accompagner Mark Ramsey. Rassembler, qui va être là pour soigneur, s'occuper des coups. Donc, on peut être confiant. On regarde la réaction des gens là-bas. On a l'impression qu'ils s'assistent à un spectacle de musique rock. Les gens sont très démonstratifs, très bruyants également. Et vous êtes à même de juger que c'est une foule très, très partisane, Robert. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est tout est fresh. C'est l'enfant du pays. Hein. C'est l'enfant de Nottingham. Et je peux vous dire que c'est assourdissant. On est là, effectivement, à lancer le combat. On commence quand même à se rasseoir parce que les gens étaient debout depuis le début sur la pointe des pieds. Mais j'ai l'impression que les gens vont se lever et vont assister à un combat sur la pointe des pieds parce que ça va partir dans tous les sens, j'ai l'impression. Gentlemen, please remember what I told you in the last room, okay? Shake it in. Eh bien, voilà des mois d'aboutissement de travail pour les deux boxeurs. Jean-Pascal, on connaît davantage son parcours des derniers mois parce qu'il est allé s'entraîner en Arizona. Il s'est remis d'une blessure qui l'a incommodé pendant plusieurs mois. Et là, c'est le temps de passer à l'action. On en parle depuis tellement longtemps. Place à ce premier round de boxe, combat de championnat du monde, la ceinture WBC des super moyens à l'enjeu. Est-ce que Karl Frosch va se servir de son 3 pouces de portée supérieure, c'est significatif, à bon escient. Alors, voilà le signal. Alors, bon combat, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous et, en principe, nous aurons beaucoup d'action. Alors, Force qui se porte à l'attaque sur Pascal dans le coin. Pascal qui ne devrait pas rester là trop longtemps, mais il fallait s'attendre un peu à cette sortie en force de Karl Frosch. Absolument. Il est chez lui. Il veut démontrer qu'il est le maître. Il veut prendre le centre du ring. Et comme tu l'as bien dit, c'est un départ canon pour lui. Alors, vous avez vu le crochet de la gauche de Karl Frosch qui a atteint la cible. Pascal qui a réussi à se défendre assez bien jusqu'à maintenant. N'a pas été atteint trop solidement. Le combat ne fait que commencer. Mais il faut quand même être prudent parce qu'on connaît la force de frappe de Karl Frosch. Et on voit les gens réagissent immédiatement dès qu'on voit Frosch appliquer
un coup à Pascal. On veut s'imposer, on veut tout de suite démontrer notre puissance et aller chercher le respect de l'adversaire. Pascal qui n'a pas boxé dans un combat depuis le mois de janvier dernier. Mais il a eu énormément d'entraînement, Bernard, depuis ce temps-là. Il a affronté de bons boxeurs. Ah oui, parce qu'au camp d'entraînement, on sait que Sébastien Demers est allé à Phoenix au départ. Mais par la suite, Gerson Ravallo, Ruben Williams, Epifano Mendoza, donc des boxeurs classés dans le top 15 mondial, sont allés le rejoindre et ça brassait par moment. Donc, une préparation optimale. Carl Fourche qui vient de se calmer un peu, là, s'il a commencé en Lyon dans les premières secondes du round, mais là, on a repris le centre du ring. Lui qui tente d'installer son jab, Fourche, se servir de sa longue portée. Et là, Pascal qui garde sa garde très, très basse. Il faudrait qu'il fasse attention, on n'est pas dans un combat là, facile aujourd'hui. Il faut absolument que Pascal trouve le moyen de contenir cette main arrière-là qui est bien souvent mortel pour les boxeurs. L'uppercut de la arrière, le direct de la arrière. Et il faut absolument qu'il trouve un moyen de la tenir occupée en défensive. Et là, belles droites de la part de Pascal. Bel uppercut de la gauche. Et vous avez vu le regard. Oh, encore une fois. Eh bien, les premiers bons coups appliqués par Jean-Pascal dans ce combat. Et là, on a pu voir Jean-Pascal était capable de placer son crochet de la main avant. Donc, ça va jusqu'à un certain point. Indisposé Fourche, qui, lui, doit se servir de cette arrière maintenant défensive. Et là, Pascal, encore une fois, qui vient de se porter à l'attaque, applique le crochet, après ça, la droite, qui a atteint la cible. Et ça, c'est important. Et Pascal doit s'assurer de toujours faire un mouvement défensif. Mais il faut faire attention, par exemple, parce que si on prend trop confiance, on peut se faire jouer des tours, ça a été le cas. 15 secondes à faire au premier round. Il est très bon en attaque, mais s'assurer de faire un mouvement défensif après ses attaques. Ne pas rester sur place pour essuyer la contre-attaque. Alors, immédiatement, après ce premier round d'action, endiablé à Nottingham, on s'arrête pour une pause. Et on vous revient avec la suite. Règle numéro 66, fie-toi à ton instinct. Numéro 83, regarde tes adversaires dans les yeux. Numéro 94, choisis tes batailles. Alors, Carl Fourche s'est jeté littéralement sur Jean-Pascal en début de combat, mais là, Pascal qui a réussi à lui appliquer quelques solides coups vers la fin du premier round. Alors, 10-9 à l'avantage de Fourche, c'est Guy Choutra qui est avec nous en studio qui surveille ce combat avec intérêt. Et là, on connaît nos forces et d'une certaine façon nos faiblesses et les entraîneurs là, maintenant un rôle important à jouer. Ils ont apporté des conseils dans cette minute de repos pour faire les ajustements par rapport au style de l'adversaire. Alors Pascal qui réussit à appliquer un coup au corps suivi d'un crochet. Encore une fois, cette fois crochet de la gauche. Et Pascal, son jab maintenant fonctionne. On lui a reproché beaucoup dans ses derniers combats l'utilisation de son jab. Mais là, il travaille bien, il a même travaillé maintenant avec un double jab pour s'approcher et placer sa main arrière. Donc, on voit qu'on a un plan, on a une stratégie de combat. Encore une fois, Jean-Pascal qui, comme on le sait, est un gars très rapide, vif comme un chat. Donc, c'est un combat maintenant de finesse, là. On fait des feintes, de la provocation, et généralement, dans ce temps-là, le boxeur instinctif a le dessus. Et Bernard, tu le mentionnais tout à l'heure, la portée. Hein, Pascal ne s'en laisse pas trop imposer quand même. Il se tient dans une zone très active, pas tellement loin de Fourche, mais qui a pas son 3 pouces de plus. Là. Il profite de sa vitesse et se donne des angles. Donc, utiliser cette longue portée-là de Fourche. Fourche qui a réussi à atteindre Pascal, qui lui va tenter de faire baisser la garde de Fourche en frappant au corps.
Mais Pascal doit s'assurer de toujours bien protéger sa mâchoire. J'aime bien depuis le début. Oh, il travaille bien et surtout, il bloque les coups de frache. N'essaie pas de trop esquiver. Parce que l'esquive, si c'est la meilleure défensive, la plus efficace, c'est aussi la plus dangereuse. Donc, il faut qu'il se concentre à bloquer les coups de massue de frache. Mais Pascal qui réussit encore une fois à atteindre la cible. Les deux mains, à frapper fauche. Et là, de frosh avec sa main arrière. Et on y va pour le grand coup. Il a pensé bien très différemment. Il part pour probablement pour une longue bagarre, mais il faudra être prudent du côté de Jean-Pascal. Pied maintenant de Pascal qui s'est mis à l'abri de la longue portée de frosh. Encore une fois, la main droite de Pascal qui réussit. Alors, on s'échange les coups des deux côtés maintenant avec 15 secondes à faire. Pascal qui réussit à appliquer un coup de la gauche et là, l'arbitre vient séparer. De faire attention au coup derrière la tête. Et Pascal doit éviter d'être trop large avec son crochet. Et Pascal finit le round en force. Et il faudra faire attention hein, parce qu'on n'est pas très défensif. La pause. Règle numéro 66, fie-toi à ton instinct. Numéro 83, regarde tes adversaires dans les yeux. Numéro 94, choisis tes batailles. Alors, Robert Frossi, comment ça se passe sur le bord du ring? Écoutez, c'est incroyable parce que effectivement, à chaque coup que porte Frosh, eh bien, c'est l'effervescence la plus totale. Et chaque fois, eh bien, qu'il y a cette contre-attaque de Jean-Pascal, eh bien, il y a une espèce de silence comme si on redoutait la puissance de Jean-Pascal. Et du côté de Frosh, eh bien, je peux vous dire que quelques coups lui ont fait mal. Et du côté de Jean-Pascal, eh bien, il devra se méfier, garder les mains beaucoup plus hautes qu'il ne l'a fait parce que ça arrive très, 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 très vite. Guy Jutras a donné le deuxième round à Jean-Pascal, 10-9. Alors, c'est l'égalité. Jusqu'à maintenant, on a chacun, selon M. Jutras, remporté un round. Et Pascal doit rester très compact. Il a bien réussi à faire. Le direct était très, très bien lancé, là, maintenant, au début de ce troisième round. Et on voit encore le point de Frosh. Et là, on y va. Qui mieux, on laisse tomber la défensive. Et Pascal, j'ai l'impression qu'il, lui, il va pour le grand coup qui pourrait assommer Carl Frosh, mais attention parce qu'il s'est fait lui aussi atteindre. On avait prévu un combat dur, un combat très intense et c'est ce qu'on a depuis le début. Ces deux boxeurs-là ont des fiches maculées, beaucoup de chaos. On ne veut pas laisser de doute, on veut gagner par mise hors de combat. L'arbitre qui sépare les deux et on a averti Jean-Pascal. Écoutez, c'est vrai que c'est un scénario qui n'est peut-être pas attendu, Bernard, parce qu'on s'attendait quand même à un peu plus de prudence compte tenu de la force de frappe de Carl Frosh. Oui, mais Jean-Pascal avait besoin de se faire respecter. Et encore une fois, vous avez vu l'uppercut de Frosh. Cet uppercut a sorti plusieurs boxeurs de ses bottines depuis le début de sa carrière. Et là, la réplique de Jean-Pascal. L'équilibre de Jean-Pascal devra faire attention à ça parce que quand on se promène la tête basse sur le ring face à un boxeur avec un uppercut aussi puissant, c'est dangereux. Oui, là, Pascal réussit à appliquer une gauche, mais là, c'est Frosh qui se porte à l'attaque et les gens sont debout là-bas. On est habitué à voir Carl Frosh lorsqu'il applique des coups si solides, débranler l'adversaire pour de bon. Mais là, Pascal réussit à bien les encaisser. Oh, c'était bien. Belle esquive est revenu au corps par la suite. Bon mouvement de Pascal. Donc, on a toute une bagarre jusqu'à maintenant. Les gens sont sur la pointe. Tient ses mains basses et qui, lui, se sert d'un petit jeu de pied, pas de retrait, pour se mettre à l'abri. Oh, belle main droite de la part de Pascal qui, encore une fois, se porte à l'attaque, mais il faudra faire attention avec l'uppercut de Frosh. Pascal qui tente de placer son crochet de la main avant régulièrement.
Quand il voit Frosch lancer son uppercut, il tente de le court-circuiter avec son crochet. Oh, c'était bien! Frosch est dans les cadres et Pascal réussit à lui appliquer quelques coups au corps et la Frosch dit non, tu ne me fais pas mal. Belle charge de Pascal en fin de match. Alors, c'est là-dessus que se termine le round à Radio-Canada Sport. Vous écoutez le combat de championnat du monde des super moyens du WBC. Règle numéro 66. Fie-toi à ton instinct. Numéro 83. Regarde tes adversaires dans les yeux. Numéro 94. Choisis tes batailles. Alors, Robert Froissy, là-bas, le groupe de Québécois qui entoure Jean-Pascal, comment on vit le combat jusqu'à maintenant? Sur la pointe des pieds, Guy, je peux vous dire une chose, c'est qu'ici, on a vu très nettement Frosch qui a été ébranlé, et ça a fait comme une espèce de calme dans l'aréna. Et là, je peux vous dire que les quelques supporters québécois sont carrément debout et disent à Jean-Pascal, vas-y Jean-Pascal, on est derrière toi, vas-y Jean. Et je peux vous dire que de voir Frosch qui a plié les genoux à un moment donné, eh bien, ça a inquiété les 7000 personnes et c'est devenu tout à fait silencieux à un moment donné. Un quatrième round qui s'amorce. Bons échanges entre les deux jusqu'à maintenant. Chacun a eu ses chances. On en a profité, mais les deux sont encore là, pas ébranlés trop. Alors, c'est un combat fort excitant, on s'y attendait. Un combat de championnat du monde entre deux grands boxeurs. Là, le rythme ralentit un peu, mais on a toujours considéré Frosch comme un boxeur sournois. Il faut toujours se méfier. Les deux ont eu des belles carrières amateurs. Pascal, on sait, champion des Jeux du Commonwealth, champion des Jeux de la francophonie, nous a représenté aux Olympiques en 2004, a perdu contre un Cubain d'Espagne dans un combat relevé et a eu une fiche, lui, de 103 victoires, 18 défaites chez les amateurs. Et Paul Frosch, lui, a été le premier Anglais à remporter une médaille de bronze au championnat du monde. En Irlande, en 2001, à Belfast, il avait été le premier Anglais à remporter une médaille au prestigieux championnat du monde amateur. Et lui s'affiche 88 victoires, 8 défaites chez les amateurs. Donc, les deux ont fait leur classe. Ils sont maintenant dans le top 5 mondial et un des deux va partir avec la ceinture et le titre de champion du monde. Jean-Pascal a connu une grande carrière chez les amateurs. Comment était sa mâchoire chez les amateurs? Il encaissait bien les coups? En plus de 120 combats chez les amateurs, il est allé une seule fois au tapis. Et c'était au championnat canadien senior à Pointe-Claire au début des années 2000. Et c'était Adonis Stevenson qui l'avait envoyé au tapis. Et Pascal lui avait remis la monnaie de sa pièce au rang suivant. Et là, on active le rythme. La dernière minute de ce quatrième round. Et là, Pascal, qui se porte à l'attaque, vient de frapper deux fois solidement Frosch. Belle précision de Pascal sur cette attaque. Frosch qui a tenté de passer le uppercut de Pascal avec une belle droite. Nouveau la gauche. Pascal. Frosch, il est large avec ses coups. Prévisible maintenant. Il est très prévisible. Et Frosch qui se fait jouer le tour qui habituellement il joue à ses adversaires. Et là, on a goûté la puissance de l'adversaire d'un côté comme de l'autre. Et là, ça prend la prudence pour tenir ses mains hautes. Attention dans les dernières secondes de ce round, avec 10 secondes à faire. Pascal à l'attaque. Oh, l'uppercut de Pascal! Et on ne s'en laisse pas imposer des deux côtés. Il n'y en aura pas de facile pour Carl Froch ce soir. Quel round d'enfer! Quel round pour Pascal! À la pause! Incroyable! Règle numéro 66. Fie-toi à ton instinct. Numéro 83. Regarde tes adversaires dans les yeux. Numéro 94. Choisis tes batailles. Stand call.
Alors, Robert, est-ce qu'il y a un doute maintenant dans l'esprit du public anglais? Ah ben, on commence à prendre Jean au sérieux ici, puisque je peux vous dire que ce sont de véritables coups de massue. Écoutez, je suis au pied du ring et on entend véritablement des coups d'enclume de part et d'autre. Et je peux vous dire que l'assaut de Jean Pascal, eh bien, a refroidi une partie du public. On commence à le prendre au sérieux ici, parce que les coups, là, on laisse tomber la défensive et on cogne à qui mieux mieux. Eh bien, voyons voir ce que ce cinquième round nous réserve de Nottingham en Angleterre. Combat de championnat du monde, on vous le rappelle, entre Jean Pascal et Karl Froch. Belle main droite de la part de Karl Froch. On a senti de l'inquiétude dans le coin de l'anglais, puisque les deux entraîneurs parlaient en même temps. Et là, Pascal, encore une fois, qui va tenter d'atteindre la cible. Il a réussi quand même assez bien jusqu'à maintenant. Et Froch est en train de s'apercevoir que Pascal n'est peut-être pas seulement qu'une étape dans sa carrière. Et Jean Pascal qui contrôle bien maintenant le jab de Froch, le fait dévier avec sa main droite. Donc, il est très, très bien éveillé par rapport à la portée supérieure de Froch. Jean Pascal, il faut qu'il relève les mains. Il se méfie en tout temps parce que le cobra, l'habitude, il baisse le rythme du combat et à un moment donné, c'est la bombe qui arrive. Là, Pascal qui a réussi à atteindre Froch, encore une fois avec la main droite, mais c'est à Froch de répliquer maintenant. Et là, lorsqu'on rentre dans cette... C'est une zone très dangereuse lorsque les deux attaquent au même moment. Tout peut arriver. Avec deux cogneurs de cette stature, c'est certain quand on échange coup pour coup, il y en a un des deux qui peut se retrouver au tapis en criant à lapin. Et les heures d'entraînement passées en Arizona vont peut-être être payantes pour Jean Pascal plus le combat va avancer. Alors, une minute à faire à ce cinquième round. Froch semble avoir laissé le centre du ring à Pascal. Il est moins hardi, moins téméraire dans le début de combat. Il est plus patient. On y va par poussée, hein? On y va par des bourrées d'agressivité et là, finalement, on devient un petit peu plus passif. Froch qui a fait preuve d'arrogance, lui, toute la semaine. Ben, Pascal, pour lui, c'était juste une étape déjà du passé. Et là, Pascal qui se porte à l'attaque. C'est Ripkou qui paye. Froch parlait de Taylor, parlait de Kessler, parlait de Bouté. Pour lui, c'était un combat de partenaire à l'entraînement, finalement, tellement c'était pour être facile, mais c'est pas le cas. Je vous assure qu'on ne voit pas ce soir le Jean Pascal des deux derniers combats. Et le jab de Froch est imprécis. Il le lance sans vraiment être convaincu qu'il va toucher la cible. Alors attention, Froch qui se porte à l'attaque. Oh! Il est dégagé! Pascal qui a réussi à l'atteindre solidement à la pause. Règle numéro 66, fie-toi à ton instinct. Numéro 83, regarde tes adversaires dans les yeux. Numéro 94, choisis tes batailles. Alors, Robert Froch, c'est difficile pour nous d'entendre avec le bruit là-bas. Est-ce que Jean Pascal a appliqué son dernier coup après le son de la cloche? Oui, et il s'est fait avertir pendant la pause. Il s'est fait avertir par l'arbitre en lui disant « quand je dis stop et quand il y a la cloche, on arrête ». Et je peux vous dire qu'il ne rigolait pas, l'arbitre ici, Cavalleri. Et les coups ont été d'une puissance absolument incroyable. Et je peux vous dire que les connaisseurs ici, le public anglais, est connaisseur. Et j'ai pensé qu'il... Oh, il l'avertit durement là, pour ouais, que ça ne se reproduise pas. Oh, j'ai eu peur! Et là, il faut surveiller ce que Karl Froch va faire parce qu'il y a possiblement de la frustration qui vient de s'installer. Là. L'arbitre a passé bien près d'enlever un point, Pascal. Ouais, ça, ça peut être significatif dans un combat aussi serré. Et là, on s'échange des jabs. Alors, Guy Jutras qui a donné le dernier round à Jean Pascal.
Carl Froch qui en a un rapide ce soir devant lui. Gros jab de Pascal au corps. Donc, il faut qu'il continue de créer des problèmes à l'adversaire, de déstabiliser. Garde l'équilibre ici. Il doit absolument être prudent. La Frost qui va tenter de mystifier la défensive de Jean-Pascal qui glisse bien sur les coups qu'il reçoit jusqu'à maintenant. Le jab de Frost maintenant qui a touché sur la dernière séquence. Donc, il tente d'établir ce jab. Et jusqu'à maintenant, on a vu Pascal toujours à y aller d'attaque par séquence. Comme celle-ci, d'ailleurs, avec la droite qui a atteint la cible, mais... Et Pascal doit être concentré en tout temps. La moindre petite erreur peut être fatale. Le combat est serré, ça va bien pour lui. Beau job de Pascal. Et on peut dire qu'il respecte le plan de match quasi à la lettre jusqu'à maintenant, Bernard? Alors, ça va bien. À ce moment-ci du combat, on approche le milieu. Il est très compétitif et il a été efficace et spectaculaire. Et pour ceux qui doutaient... Bonne main droite, s'il a perdu l'équilibre. Et pourquoi? Pour ceux qui doutaient qu'il y avait encore une blessure à l'épaule pour Jean-Pascal, et bien on voit ce soir qu'il semble en parfaite maîtrise. Mais Carl Froch est un très bon boxeur, très dangereux, et Bernard le disait tout à l'heure, très sournois. Alors, surveillons ses attaques quand même, parce qu'il peut faire très mal à Jean-Pascal. Oui, la morsure du cobra est mortelle. Bonne main arrière de Froch. Il a emmené Pascal le long des cordes. Et ça, il faut que Pascal évite d'aller, de se laisser emmener là. Il doit avoir l'espace pour retraiter. La Frost qui va y aller de ses meilleures attaques de ce round et je dirais presque jusqu'à maintenant. Mais là, Pascal ne s'en laisse pas imposer et c'est lui qui décide de se porter à l'attaque. Et là, on peut voir à quel point Frost est puissant et qu'il est dangereux avec cette main arrière. Alors, combat de championnat du monde pour la ceinture des super moyens du WBC à Radio-Canada Sport. La suite au retour. Règle numéro 66. Fie-toi à ton instinct. Numéro 83. Regarde tes adversaires dans les yeux. Numéro 94, choisis tes batailles. Alors, Robert Froese, quelles sont les plus récentes nouvelles sur le bord du ring? Ben, je peux vous dire que les conseils dans le coin ici, je suis juste à côté du coin de Jean-Pascal, on a du mal à entendre, c'est vraiment assourdissant. Hein. Mais je peux vous dire que chaque fois que Froch prend un coup sévère, un coup sec de Jean-Pascal, c'est des « Oh !» Et là, on commence effectivement peut-être à douter un petit peu, mais vous l'avez dit, il faut se méfier du cobra. Et tout à l'heure, on pensait que Jean-Pascal était ébranlé, ben, il lui a joué le même jeu. Eh bien, c'est un round donné à Jean-Pascal par Bijoutra. Et là, c'est l'attaque de Carl Froch. Froch qui part le round canon. Oh, mais Pascal vient l'appliquer une gauche solide. Et c'est ça qu'il faut faire dans le fond, Bernard. Absolument. Il faut qu'il le ralentisse, qu'il ne le laisse pas monter sur le dos. Donc, il faut s'assurer de lui refroidir les ardeurs. Froch qui avait l'air à inviter Pascal, lui dire « Viens dans ma zone. Oui, » Dans ma zone payante, et Pascal garde sa distance. Je suis convaincu que Froch n'attendait pas un combat aussi dur, aussi physique que ça. Alors, Robert, oui? On vous en... Oui, on a l'impression qu'on voit un petit peu de sang sous le nez de Jean-Pascal. Est-ce que c'est le contre de Froch qui est venu peut-être couper quelque chose? Mais on voit un petit peu de sang intervenir. Peut-être... On surveillera ça, évidemment, avec attention. On verra tout à l'heure dans le coin qu'est-ce qu'il y en est. Et là, les deux se surveillent. Hein. On veut saisir l'adversaire en contre-attaque. Donc, on veut provoquer une erreur et revenir et l'atteindre solidement.
On entre dans la zone difficile, septième round de 12. Et l'énergie, il faut qu'il en reste pour les rounds à venir parce que je pense pas qu'on va vraiment ralentir le rythme. C'est un combat si important. On vous rappelle que c'est la ceinture mondiale du WBC qui est à l'enjeu. Premier aspirant, Carl Froch. Le troisième, Jean Pascal. Le gagnant affrontera Jermaine Taylor. Pascal qui fait un mouvement d'esquive vers l'arrière, donc il faut absolument qu'il garde son équilibre. Moins d'une minute à faire au septième round. Froch qui a gagné ses sept derniers combats par knockout. Les attaques sont moins soutenues un peu. Moins de précision aussi un peu. On commence à ressentir les effets de la fatigue. Parce qu'on n'a pas ménagé les efforts depuis le début du combat. Et attention, Jean-Pascal! Perte d'équilibre qui aurait pu être fatale, finalement. On n'a pas de chance à prendre. Et là, c'est pas toujours rester stable. Alors, Pascal aurait peut-être dû profiter du fait que Froch était dans le coin, là, avec 20 secondes à faire au round. Oui, attention à l'uppercut de Froch. Et là, Pascal est atteint solidement à la tête. Et là, Pascal a goûté aux jointures de Froch. Et là, on attaque des deux côtés, mais il me semble que Froch semble un peu plus actif dans ce round. On s'arrête pour une pause. Les commotions cérébrales peuvent engendrer une dépression. Et sur la piste du légendaire explorateur de l'Arctique, Sir John Franklin. Découverte dimanche 18h30 à Radio-Canada. Le foot, c'est les plus grands noms du sport! Au hockey aussi, il y a des mots du grand nom, hein. Wicknizer, Krusidutski, tellement de lettres que le nom rentre même pas sur le chandail. Mais du tout! Et Dieu créa la flaque, dimanche 19h30 à Radio-Canada. Alors, on n'a pas vu ça souvent, il y a de l'enflure sous les yeux de Jean-Pascal. Oui, il y a de l'enflure, Guy, et Jean qui avait l'air un peu fatigué, un peu ébranlé. On essaye de le réveiller dans son coin. Marc Ramsey lui donne vraiment des coups sur les jambes en disant « Vas-y, réveille-toi un petit peu ». Alors, on a vu l'uppercut justement de Carl Froch qui a semblé être appliqué avec beaucoup de sévérité. Il faut que Pascal retrouve, Bernard, sa hargne qu'il avait tout à l'heure en début de combat. Absolument, il jouait de finesse. Froch, il l'a bien dit, il dit, il ne sera pas capable d'échanger coup pour coup avec moi. C'est certain qu'il va lâcher le premier. Et Pascal doit revenir au plan de match, celui qui l'a bien servi dans la première moitié du combat. Alors, comme on le sait, les deux sont invaincus depuis le début de leur carrière chez les professionnels. 31 ans pour Carl Froch, 26 ans pour Jean Pascal. Froch en est à sa première tentative pour un combat de championnat du monde. C'est peut-être dans son cas où c'est le plus urgent d'être champion du monde parce que du côté de Pascal, il y a encore beaucoup de temps devant lui. Et Pascal va bien quand il est capable d'aller avec son double jab et son direct de la main arrière. Généralement, il touche avec son direct de la main arrière. Donc, il a besoin, justement, d'une série pour se rendre à la cible. Et là, Pascal pourrait peut-être tenter lui une main droite par-dessus quand Froch lance son jab mou. On a l'impression que Pascal utilise une stratégie actuellement parce qu'il est... C'est comme s'il avait manqué un peu de... Comme s'il avait manqué de carburant. Il vient de l'essayer, la main droite par-dessus. Là. Le jab de Froch est mou. Il revient, lui, plus bas que la ceinture. Donc, l'ouverture est là pour une main droite. Un direct de la main droite sur la cible. Regardez Pascal qui se présente le visage au cou de Carl Froch. Pas, à peu près pas de défensive. Et là, il y avait presque une main ouverte. Là, la main droite qui est parfois précise. Et là, Froch qui va appliquer quelques solides coups à Jean-Pascal qui a réussi quand même à bien les éviter. Encore une fois, le pied arrière de Jean est venu en avant et ça a créé un déséquilibre. Et ça, c'est dangereux face à un dur cogneur. Bon jab! Bon jab de la part de Pascal, effectivement. Moins d'une minute à faire au huitième round. Pascal qui se tient parfois très, très bas.
et on a l'impression qu'il est en mode récupération. Avec 30 secondes à faire, les attaques de Jean-Pascal, mais la réplique de Carl Froch qui absorbe bien les coups. Pascal avec un crochet de la gauche, et là, c'est la droite. Il la met arrière, il a le long des câbles. Il est dans les câbles, c'est le temps d'en profiter. Et Froch est coupé. Alors, on nous dit que Carl Froch est coupé. Oui, coupé sous l'œil gauche, Guy, suite à cet assaut de Jean-Pascal, très puissant. Et je peux vous dire que, oui, on le voit effectivement, une coupure sous l'œil gauche. Eh bien, Pascal vient de reprendre vie. Ça l'a encouragé, il termine le round en force, perte d'équilibre. Eh bien, ça promet pour le prochain round, on s'arrête pour une pause, on revient le plus rapidement possible. Les questions indiscrètes. Ça fait comme un peu excité. Je vais vous quitter. Les révélations. Tu sais, quand un médium te trouve weird, tu dis... On peut-tu faire un stop tape ou je le fesse? Et l'inattendu. Alexei Alosha. On ne s'en lasse pas. Puis ça fait même pas mal. Avec Guy Lepage et Danny Turcotte, les meilleurs moments de Tout le monde en parle. Dimanche 20h à Radio-Canada. Alors bon, on vous rappelle, mesdames, messieurs, qu'à Radio-Canada Sport, vous regardez le combat de championnat du monde entre Jean-Pascal et Carl Froch. Robert Frozzi sur place. On confirme qu'il y a une coupure pour... on voit la coupure sous l'œil de Carl Froch. Ouais, et on fait du travail de réparation ici, du côté du coin de Carl Froch. Oui, une méchante coupure. En fait, hein, vous avez vu, suite à l'assaut de Jean, qui était vraiment puissant. On dirait que Jean est un peu désinvolte par moment, mais il y va vraiment avec des coups d'assommoir, des coups de puissance. Et là, moi, j'ai peur, Bernard, parce que selon Guy Jutras, c'est 76-76. Et on est au 9e round. On a vécu tellement de situations malheureuses avec le temps. On a évalué les cotes d'écoute à environ à 14 millions là-bas en Angleterre. Donc, ils attendent un couronnement du membre de la famille. Mais là, Jean-Pascal peut jouer les troubles fêtes. Il est déjà pas mal avancé dans le combat et le combat semble serré, là. Est-ce que Froch semble incommodé par cette coupure? Oui, complètement. Il a plusieurs reprises, il essaye de nettoyer puisque le sang lui coule dans les yeux et évidemment bloque sa vision. Et à plusieurs reprises, on l'a vu voulant se nettoyer. Et évidemment, Jean-Pascal, lui, continue de frapper vers cet œil. Et là, Pascal qui... On dirait qu'au corps de Pascal. Donc, il varie ses attaques. Oh! Bon crochet, là! Ah, que c'était bien! Il en a lancé beaucoup depuis le début du combat, des crochets à Jean-Pascal. Ils n'ont pas tous été précis ou touché la cible, mais si jamais ça arrive, eh bien, ça peut causer de lourds dommages. Et Carl Froch qui y va avec quelques solides coups appliqués à Jean-Pascal qui ne s'en laisse pas imposer. Parce que là, il sait qu'il a un certain avantage sur Carl Froch. Il a une coupure, Carl Froch. Et là, Pascal doit en profiter. Et là, ça joue dur. Ça joue dur dans les coins. Beaucoup de travail pour l'arbitre italien. Ouais, le public commence à voir son boxeur en danger ici. Oh, c'était bien, Pascal a eu une chance pour son uppercut. Mais là, c'est là, la droite. Eh bien, si Carl Froch a eu souvent des combats faciles, la visite de Jean-Pascal vient de mettre un terme à tout cela. Pascal qui a encore une fois essayé sa main droite par-dessus. Et Pascal qui vient de contrer l'attaque de Carl Froch. Froch est rentré dans les coups de Pascal. Et ça fait mal. Les heures et les heures en s'entraînant cardiovasculaire en Arizona vont peut-être permettre à Jean-Pascal de gagner ses derniers rounds. Et Pascal était trop statique sur cette dernière séquence. Il doit se servir. Il est tenté solidement deux fois. Et la Froch qui se jette à l'attaque sur Pascal qui va tenter de répliquer. Et là, Pascal semble ébranlé. Jean-Pascal qui revient. Oui, il s'est fait attaquer. Très courageux. Là, le cœur nous a arrêté de battre pendant quelques secondes. Et voilà, c'est la fin du round. Et on va rester avec vous, mesdames, messieurs, pour savourer pleinement tout ce qui se passe là-bas. Alors, Robert, les deux commencent à ressentir les effets de la fatigue.
Absolument, et je pense que ces premiers rounds qui ont été partis à coups de vraiment avec une vitesse absolument incroyable, et bien on commence à payer, on commence à sentir la fatigue de chaque côté, et je peux vous dire que vers la fin de ce round, l'un et l'autre étaient ébranlés, même si Jean-Pascal paraissait peut-être celui qui cherchait un peu plus son souffle, et là dans son coin évidemment, et bien on soigne, mais je peux vous dire qu'ici on sent l'inquiétude, on sent que à chaque coup donné par Jean-Pascal, et bien on a le sentiment que leur chouchou, leur champion peut effectivement recevoir le coup fatal. Alors ici, on essaye de réveiller Jean-Pascal, on essaye de le secouer dans son coin et Marc Ramsey fait un travail extraordinaire. Alors d'autant plus qu'il reste trois rounds d'action, alors Guy Jutras donne ce dernier round à égalité. Donc 86-86 après ce dernier round. Il en reste trois. Quel combat intéressant! Quel beau mariage de style jusqu'à maintenant. Et là, Frasch tente d'établir son jab. Son jab qui est très vif aussi. On a parlé beaucoup du fait qu'il pouvait être lent, mais son jab est très, très rapide. L'arbitre italien qui lui a fait une petite réprimande d'éviter de frapper avec l'avant-bras. L'avant-bras qui peut faire mal à un boxeur, on l'a vu dernièrement On l'a vu dans les combats précédents sur cette carte où un boxeur a été coupé sévèrement et le combat arrêté justement. Mais c'est Roy Jones qui avait envoyé au tapis Joe Calzaghe au combat en frappant un peu avec le poignet. Donc deux minutes à faire. Pascal avait les mains hautes pour bloquer les coups. Et c'est ce qu'il doit faire. Il doit éviter. Bloquer les coups, c'est la défensive la plus sécuritaire. Frost qui tente de résoudre le mystère de Jean-Pascal, mais ça a l'air un peu compliqué de porter pour lui une séquence de coups. Et là, le rythme du combat ralentit. Il est beaucoup moins actif. Frost tente de porter des coups. Pascal est lent à réagir. Lui aussi, si on a parlé de Frosch comme un boxeur sournois, Pascal n'est pas en reste. Là. Lui peut sortir un coup puissant rapidement. Moi, je dirais presque qu'on a l'air en mode de récupération, comme si on était en train de faire le plein d'énergie pour ce qui s'en vient. Le rip a ralenti énormément dans ce round. Alors, des problèmes avec la culotte de Jean-Pascal. Ça fait réagir immédiatement la foule. Mais de toute façon, on était déjà en période de récupération. Alors, attaque soutenue, belle droite de Jean-Pascal, mais immédiatement, les deux sont séparés par l'arbitre. Frosch avec son petit pas de Belle uppercut de Pascal! On croyait que ça avait été frappé avec plus d'autorité, mais c'était bien placé par lui. On chante maintenant ici. Ah, que c'était bien. Un long crochet de Pascal qui a touché la cible. Mais Frosch est actif, lui aussi, de son côté. Les deux ont la tête dure. Et là, les gens pensent que Pascal est ébranlé. Et finalement, non, il revient à son rythme. Pascal qui aimerait bien finir ce round en force, laisser bonne impression. Et voilà. Alors, Robert, ça a été beaucoup plus passif, ce round. Oui, beaucoup plus passif. Et on lui a dit ici, dans son coin, va chercher le combat. Donc, vas-y, va le chercher. Et on sentait effectivement que Jean-Pascal essayait de retrouver peut-être un second souffle pour terminer et aller chercher cette fin de round, voler la fin de round, mais il n'a pas réussi. Peut-être cherche-t-il effectivement un deuxième souffle, cherche-t-il tout simplement à lui aussi jouer le côté sournois du Cobra de Karl Frosch. Peut-être qu'il y a une stratégie derrière tout ça, ou tout simplement, peut-être, essaye-t-il de retrouver une deuxième énergie, un deuxième souffle. Give me two rounds real style. Chin on your chest. Let's work away now. In a rhythm. And long jab to right hand. Two rounds. Come on.
Oui, Marc Ramsey ici qui vient lui dire « Va chercher le round, va chercher le round ». Bon, c'est important parce que Guy Jutras, qui en a vu des rounds de boxe et des combats de boxe, nous dit que Karl Frosch serait en avance par un point selon lui, selon son jugement. Alors voyons voir comment va réagir Jean-Pascal à la suite de ses conseils de Marc Ramsey, son entraîneur. Et là, on entre dans les rounds de championnat, le 11e et le 12e. Et Frosch, lui, a déjà passé KO à deux adversaires au 11e round. Brian Maggi, dans le plus grand combat de sa carrière, le combat le plus marquant, et Mark Woodnough, un ancien champion canadien. Et dès que Frosch réussit à frapper Jean-Pascal avec son jab, la foule réagit. Là, Pascal qui réussit à appliquer une combinaison qui se solde par une réplique de Karl Frosch. Là, le jab, le Frosch qui réussit à percer la défensive et c'est le direct de Maria maintenant. Donc, Pascal doit réagir rapidement. On sent que Pascal devient un petit peu moins rapide. Là. Ses coups manquent un peu de précision, mais là, il se porte à l'attaque. Est-ce que c'était une stratégie de se calmer, on ne sait pas avec lui, parce qu'il peut arriver à peu près n'importe quoi. Il a encore de la puissance dans les gants. Il le fait sentir à Frosch, qui tentait, lui, de mettre beaucoup de pression dans les derniers instants. La tête est basse pour Pascal. Il va avoir une réprimande de l'arbitre encore. Là. On peut entendre les gens là-bas qui... Jean-Pascal, et attention à l'uppercut de Karl Frosch. Et que ça part de loin, cet uppercut de Frosch. Beau direct à droite. Et là, Pascal qui ne s'en laisse pas imposer. Eh bien, nous avons tout un combat de boxe. Et là, c'est tout un marathon pour ces athlètes. Le Pascal qui a réussi à appliquer un crochet de la gauche. Belle réplique de Karl Frosch, qui, lui, n'a pas baissé trop d'énergie au cours des derniers rounds. Seconde affaire au 11e. Frosch, qui pour la première fois s'est placé en boxeur gaucher, mais il n'a pas duré. Ça a duré l'espace d'une ou deux secondes. Encore une fois, pas de retrait pour Frosch. Il s'est mis à l'abri. Le coup de Pascal. Et là, c'est Frosch qui voudrait en finir avec Jean-Pascal qui l'amène dans les câbles. Eh bien, je vous assure que c'est un combat serré, mais disons que Frosch est en train d'avoir un regain d'énergie. On a pu sentir la fatigue du côté de Pascal. Elle était large dans sa dernière séquence. Alors, Robert, les gens ont repris espoir à la victoire, il me semble, là-bas, là, pour, avec ce qu'ils ont vu de Karl Frosch. Ah, complètement. Quelle intensité. Et ici, on chante et on est debout parce qu'on sent effectivement que le champion a encore cette énergie, même si on est passé par une phase d'inquiétude. Eh bien, je peux vous dire que voyant tituber et voyant Jean-Pascal ne plus trouver les solutions qu'il arrivait à trouver tout à l'heure, eh bien, on reprend espoir ici et on est tous derrière le champion en chantant son nom ici. Et dans son coin ici, Marc Ramsey et toute l'équipe eh bien, réveille Pascal en disant « Écoute, c'est maintenant ou jamais, il faut que tu ailles chercher ce combat, donne tout ce que tu peux. » Et regardez à quel point les gens semblent apprécier ce qu'ils ont vu dans les 11 premiers rounds. C'est le tout pour Jean-Pascal. Il n'a pas le choix, là, Bernard. Et on lui a demandé, Marc Ramsey lui a demandé de travailler en combinaison. Donc, on est conscient de l'urgence du moment. Il sort pour aller chercher ça au 12e round dans un combat aussi intense. On va aller chercher ça loin dans nos ressources. Et Frosch qui essaie d'ébranler Pascal. Il est beaucoup plus précis, mais là, il faut faire attention à Jean-Pascal parce que lui aussi peut être très dangereux. Heureusement, Pascal a réussi à placer un bon coup et ça l'a calmé les ardeurs de Frosch. Bon crochet ici de Frosch. On a très peu vu son crochet de la main avant la tête.
que Froch voudra en finir. Et là, on entend les gens chanter là-bas. C'est évidemment, c'est l'appui de la foule aide toujours. Et là, Froch veut montrer qu'il est en plein contrôle de ce combat. Mais voyons voir ce que Jean-Pascal a dans le corps. Allez-y, Robert. Oui, et dans le coin de Jean-Pascal, et bon, on lui dit, vas-y, on lui dit, écoute, va chercher. Et là, il y a une réprimande, évidemment, du juge. Et le temps contre file. Froch. Oui, le temps file, absolument, le temps file. 1 minute 25 à ce dernier round. Et je peux vous dire qu'on demande à Jean-Pascal de tout donner et d'y aller maintenant. Et bien là, Pascal y va. Mais là, Froch ne s'en laissera pas imposer. Il doit s'y attendre aussi. Et là, maintenant, à moins d'une minute, on peut être sûr qu'on va lancer nos dernières munitions. On va tout mettre. Oui, Froch qui voudrait finir avec un KO ici. Lui qui a été l'agresseur pendant tout le 12e round. Alors, Jean, allez, un petit effort. Parce qu'on a un très bon combat. Oui, les deux hommes sont au bord de l'épuisement maintenant. Il en reste un petit peu plus dans les coups de Froch, mais méfiance. Jean-Pascal doit monter ses mains. Et attention! Solidement. Il doit tenir ses mains hautes. Avec 20 secondes, on donne le tout pour le tout. Quelle boxe de grand calibre qu'on a eu sur le ring. Eh bien, ça manque de mots pour vous dire à quel point on a eu droit ce soir à un combat intéressant. Et ici, les gens sont debout. Les gens sont debout et pensent effectivement que leur champion, la couronne, va rester à Nottingham. Et les gens sont vraiment debout, convaincus, scandent le nom de Froch ici et sont convaincus qu'ils ont un nouveau champion du monde. Les gens sont debout et c'est du délire. Eh bien, on a hâte de voir comment les juges auront vu ce combat. Alors, vous voyez la carte de pointage finale de Guy Jutras, 116-113 à la faveur du Britannique Karl Froch. Quelle intensité dans ce combat et quelle belle expérience pour Jean-Pascal. À moins de 4 ans chez les professionnels de disputer un combat de championnat du monde et d'aussi bien performer que ça, chapeau. Et tout le monde s'embrasse dans le camp de Froch comme si ça y est, c'était déjà gagné. C'est la conjointe de Karl Froch. Là, on entend. Est-ce qu'on entend des huées, Robert? Oui, on entend des huées parce que Jean-Pascal a levé le bras en signe de victoire. Et ici, c'est pas vraiment ça que les gens espèrent entendre. Alors, c'est un silence hein, pour le moment. C'est le silence. Tout le monde est vraiment suspendu à la décision des juges. Eh bien, peu importe le résultat de ce combat, je pense qu'on peut dire, Bernard, que Jean-Pascal était prêt. Ah oui, le spectacle était grandiose et nous a tenu sur le bout de notre siège tout le combat. Donc, je pense pas qu'il va y avoir de grands perdants dans ce combat, étant donné que le combat a été très compétitif. Et on va attendre le résultat, mais je pense de mais toute façon, intensité, Jean-Pascal je peux vécu, vous dire qu'on se félicite déjà dans le camp de Froch. Et on a tellement prononcé au cours des derniers jours et des dernières semaines le mot KO en parlant de ce combat-là que finalement, on n'en a même pas eu. Non, pas du tout. Les deux boxeurs avaient bien peaufiné leur défensive et ont démontré beaucoup de solidité. On s'est servi de jeu de pied, on a bloqué, esquivé, bloqué, faire dévier les coups. Donc, on a roulé avec les coups. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing, we go to the scorecards. Judge Tommy Kaczmarek scores it 118-110. Judge Aurenio Cuevas scores it 117-111. And Judge Predrag Aleksic scores it 116-112. All in favor of your winner by unanimous decision,
and the new WBC Super Middleweight Champion of the World from Nottingham. Et bien voilà. Jean-Pascal déçu sur le ring. Et oui, Jean-Pascal déçu, évidemment, et comme on peut le comprendre, après tout le travail acharné qu'il a fourni ces derniers mois pour aller chercher ce championnat du monde. Et ici, eh bien écoutez, évidemment, le public est debout. Le public acclame son nouveau champion du monde, celui de Nottingham. Et je peux vous dire que les gens sont ravis ici, évidemment. Et c'est vraiment tout dans le clan Frosch, on est content du travail, on congratule le champion. Mais chapeau à Karl Frosch. Chapeau à Karl Frosch, mais Pascal n'a pas à rougir de sa performance. Non, absolument pas. Il a boxé avec son cœur. Et je pourrais dire qu'aujourd'hui, s'il y avait un Richard Cœur de Lion à Nottingham, eh bien il y a maintenant un Pascal Cœur de Lion parce qu'il s'est battu vraiment jusqu'à la fin comme un grand champion. Eh bien, Robert, vous aurez l'occasion de discuter, bien sûr, avec Jean-Pascal et son équipe un peu plus tard. Alors, on va vous remercier pour votre collaboration pendant tous ces rounds. Ça a été fort intéressant de vous entendre et de pouvoir vivre de si près ce qui se passait. Oui, je vais aller chercher tout de suite les commentaires de Jean-Pascal. Alors, on vous rappelle, mesdames, messieurs, que Karl Frosch est maintenant le nouveau champion du monde des super moyens du WBC grâce à sa victoire par décision unanime contre le Québécois Jean-Pascal. La pause et nous sommes de retour tout de suite après. OK, messieurs, la course d'aujourd'hui va tester votre conduite puis votre rapidité d'esprit. Sur la route de Billot, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Mais on n'a rien senti. C'est comme si de rien n'était. Oui, la nouvelle suspension là, est absolument incroyable. Lâche pas, vas-y! On n'aura pas le choix de vivre ensemble pendant la prochaine année. 15 mois en Antarctique à étudier la nature et à subir ses humeurs. On n'a plus assez de temps, Mario. On oublie la réparation puis on prépare l'évacuation. Faut partir. Un voyage au bout d'eux-mêmes. C'est mon voyage. C'est son voyage. Une grande expédition où rien n'est facile, mais où tout est hors de l'ordinaire. Mission Antarctique, l'aventure humaine, dès le lundi 15 décembre, 19h. À Radio-Canada. Je suis ex-champion du monde. Jean-Pascal. Je suis boxeur professionnel. La boxe. Tout un combat. Le film et le coffret DVD. Quatre DVD avec les grands moments de la boxe. Les plus grands en entrevue. Sept autres films qui punch. I wish I was from Montreal. La boxe. Tout un combat. En coffret DVD en vente partout et sur imavision.com. Partout en Amérique. Place au hockey maintenant. Salut Enrico Ciccone. Moi, pas parce que je me battais au hockey que j'aimais ça. Ça va faire toute une équipe au prochain Tour de France. John Lemieux n'a pas fait à cet égard-là un travail remarquable. Sport Extra, une radio satellite de Radio-Canada. Alors, on sent bien sûr la déception. Ça, c'est le neveu de Jean-Pascal qui pleure à chaudes larmes que son oncle a perdu, mais il a livré quand même toute une bagarre. Bon, je rappelle les résultats des juges. 118-110, 117-111, 116-112 à la faveur de Karl Frosch, qui est maintenant le nouveau champion des super moyens du WBC. Qu'est-ce qu'il manque, Bernard, à Jean-Pascal pour avoir cette ceinture? Bien, c'est ça qui est intéressant, finalement. Là, il a pris beaucoup d'expérience ce soir dans ce combat-là. Et ce qui manque, bien, on a vu un peu de régularité au niveau de son jab. Il en a un très bon, mais à un moment donné, il vient qu'il l'oublie. Il ne l'utilise pas assez.
On a remarqué aussi la qualité de son direct de Marrière est moins bonne. Suite à sa blessure à l'épaule, il est hésitant un peu. On ne sent pas la pleine extension de son mouvement. Mm-hmm. Et je pense que ce qu'il faut qu'il travaille, c'est bien entendu son équilibre. On l'a vu à plusieurs reprises. Perdre l'équilibre, se mettre dans une position vulnérable face à son adversaire. Et quand tu perds l'équilibre comme ça, tu perds ton adversaire de vue. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire en boxe. Il faut absolument, écoute, ton adversaire, il a juste deux bras pour te frapper. Donc, il ne faut pas que tu le perdes de vue. Il y a eu une baisse de régime dans son camp, on l'a vu au septième round. Et on va voir des images dans quelques minutes à ce niveau-là. C'est pas une question de préparation quand même. Qu'est-ce qu'il faut travailler dans son cas pour justement qu'on conserve un niveau d'énergie égal jusqu'à la fin d'un combat comme celui-là? Écoute, dans un combat aussi intense et surtout dans un combat qui a demandé beaucoup là, mentalement avant la préparation de tout ça, et à un moment donné, ça devient comme lourd sur nos épaules. Donc, il faut qu'il apprenne à se connaître lui-même dans des grands événements comme ça pour être capable de répartir ses énergies et qu'on ne sente pas, justement, comme tu l'as bien fait remarquer, cette baisse d'énergie qu'on a sentie à la fin de combat où il était moins vigoureux. Bon, bien, justement, on va vous remontrer les meilleurs échanges survenu au cours de ce combat. Ça a été spectaculaire des deux côtés. D'abord, au premier round, c'est Karl Frosch qui se jette littéralement comme un lion enragé sur Jean Pascal. A réussi à le frapper, mais Jean s'en est quand même bien tiré. Oui, c'était un départ canon de Frosch qui voulait montrer qu'il était chez lui et mais... qu'il n'était pas question de céder l'espace. Mais Pascal qui a quand même bien fini le premier round. Au deuxième, des deux côtés, on a tenté d'ébranler l'autre. Mais Pascal a réussi à appliquer, je dirais, quelques-uns de ses meilleurs coups du combat. C'est ça. Si Frosch réussissait à quelques reprises à placer son uppercut de la arrière, Pascal lui plaçait son crochet de la main avant. Donc, c'était très spectaculaire et le transfert de poids était bien des deux côtés. Alors, Pascal, qui a semé souvent un doute dans la tête des partisans anglais, à savoir si leur favori était sur le point de l'emporter. Regardez Pascal qui a réussi là, à bien esquiver les coups. Bien que Frosch l'a atteint, mais pas solidement. Et on a pu voir sur cette séquence la longue portée de Frosch qui lui a été très utile dans le combat. Et là, on s'est dit, ça y est, Pascal est en mesure de remporter ce combat-là par KO. Mais ce n'était pas tout à fait le cas. Regardez-le là, on a revu un Karl Frosch un petit peu plus agressif. Vous allez voir qu'à mesure que le combat avance, le doute s'installe dans les partisans de Karl Frosch, mais Karl Frosch ne baisse pas de régime tellement. Pascal, quand il travaillait en combinaison, il est plus rapide que Frosch et c'était payant. Mais encore là, on le voit, là, à partir du moment qu'il dégainait, il réussissait à mettre Frosch en mauvaise position. Mais à un moment donné, il a travaillé un peu moins en combinaison et là, Frosch, lui, a réussi à reprendre le contrôle. Alors, on se retrouve maintenant au huitième round. Jean-Pascal, qui était plus passif, Frosch n'était pas moins, lui. Mais Pascal, à ce moment-là, on s'est dit peut-être qu'il économise ses énergies en vue des derniers rounds. Oui, c'est ça. Pascal qui a réussi à placer. On a vu les belles séries au huitième round. Et tranquillement, lui, Frosch, encouragé par ses partisans, est revenu plus fort et a grignoté les secondes, les minutes à son avantage pour la fin du combat. Et Guy Jutras qui nous disait tout à l'heure jusqu'au 10e round, il dit, moi, je ne pouvais pas dire qui est-ce qui allait remporter ce combat-là. Tellement c'était relativement serré, mais et après ça, on a vu que Jean-Pascal n'était peut-être plus capable d'en donner davantage. C'est ça, Frosch, qui, lui, a été très efficace dans les deux rounds de championnat, qui a fait en sorte de le départager. Et c'est à ce niveau-là. Pascal a eu... je pense une expérience incroyable en début de carrière. Et là, ce qui fait en sorte qu'il a vécu un combat de championnat du monde et cette défaite honorable ne le fera pas sortir du top 10 mondial. Alors, voici les derniers échanges de ce combat. Alors, on a cru un certain moment qu'on allait soit tomber d'un côté comme de l'autre et finalement, on est demeuré sur ses jambes jusqu'à la fin. Alors qu'on parlait de KO pendant la dernière semaine d'un côté ou de l'autre, finalement, on n'en a pas vu de KO. Et la victoire concrétisée de Karl Frosch et son titre mondial, sa ceinture des super moyens du WBC. La portée de Pascal qui était... plus petite que celle de Karl Frosch, est-ce que ça a joué un grand rôle dans le combat? Absolument. 3 pouces de portée à partir du moment que le combat devenait plus tranquille. Frosch réussissait à placer son jab. Il l'a comme ajusté dans la deuxième portion du combat. Et à quelques reprises, son direct de la main arrière. Et là, on voyait, lui, il était vraiment en pleine extension. Immédiatement, on s'en va rejoindre Robert Frozzi, qui est en compagnie de Jean-Pascal. Merci, Guy. Jean, ce soir, on a eu l'impression, pas du tout l'impression, on a eu l'impression qu'il y avait deux champions. Il y a un champion du monde, certes, mais on a aussi un autre champion. 12 rounds absolument extraordinaires ce soir.
Ouais, j'ai donné tout ce que je pouvais. Je crois pour que ce soit le meilleur homme l'a emporté. Encore une fois, c'est le meilleur sur moi aujourd'hui. Je suis encore jeune, j'ai 26 ans, donc j'ai encore l'avenir devant moi. Je vais retourner au gym, je vais m'entraîner encore plus fort, plus durement, garder ma discipline. Puis c'est m'entraîner encore plus fort, puis je sais qu'un jour, je suis destiné à devenir champion du monde. Jean, qu'est-ce qu'on apprend d'un combat comme ça? 12 rounds, t'as été cherché jusqu'au fond de tes énergies? Ah, j'ai appris beaucoup, je me fais frapper, j'avais l'œil enflé, j'ai eu souvent le pouce dans l'œil droit, mon œil est enflé, mon front est enflé, mon corps, ça me fait mal, ça a été éprouvant. Carl Fuchs, c'est un boxeur qui est solide, qui cogne dur, mais il m'a jamais fait mal. J'étais dans le combat, c'est tout le long. C'est sûr qu'il y avait la foule derrière lui, puis je pense peut-être que ça a fait une différence ce soir. Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti qu'il pouvait être à ta portée? Ouais, il était fort. Je sentais que de round en round, il s'épuisait et tout, mais j'ai pas réussi à l'achever. Ouais, ça a été peut-être le combat le plus difficile de ta carrière. Ah, c'est sûr, c'était mon meilleur adversaire. Ça a été mon combat le plus difficile, mais je suis fier de moi. Je pense que j'ai bien représenté le Québec, puis je dois revenir encore plus fort. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup. Alors, à Robert, qu'on va retrouver dans quelques instants en compagnie d'Yvon Michel. Vous avez vu la tristesse. Je regardais les gens qui sont autour de Jean-Pascal. Marc Ramsey qui a tout donné, lui aussi, comme entraîneur, avec les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui s'en vient pour Jean-Pascal? Quel genre de gars on pourrait le voir? Bien là, Jean-Pascal, comme je l'ai dit, il va rester dans le top 10 mondial.